thank mm -hmm. you Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure et demie d'ailleurs. Et durant cette petite heure, on va parler d'animation à l'intérieur du Creative Cloud. Donc, euh, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tous les gens qui nous suivent depuis trois jours sur ces sessions Best of Max. Euh, je vois des noms connus et je vois des nouveaux. Bien -jeux. Bienvenue à Sam, à Gauthier, Delphine, Camille. Vous vous êtes les bienvenus euh, bienvenue aussi aux gens qui seraient sur youtube sur youtube si c'est là que vous êtes vous pouvez tout à fait nous suivre et nous retrouver du côté euh, vous allez pouvoir nous retrouver du côté Beyonce. je vous ai mis un petit lien comme ça vous êtes sûr de ne pas nous rater. Ça, ça va être une, une bonne chose pour tout le monde. Bienvenue à Luc, bienvenue à Alexandre. Pour les habitués de la chaîne Beyance, euh, sur beyance.net, slash live, slash fr, eh bien vous aurez peut-être constaté avec joie que euh, ça y est, ça remarche. Hein. On a notre URL courte qui fonctionne très bien et que vous allez pouvoir utiliser à plein. Euh, Aujourd'hui, on parle animation. Pourquoi Eh bien parce qu'on va parler de tous les petits sujets qui nous ont euh, tenus à cœur euh, toute la semaine et euh, depuis le début de la semaine. Comme vous le savez, on est euh, sur le best of max, Adobe Max. C'était un événement qui avait lieu en direct. Chez, euh, chez Adobe. Euh, je vais vous mettre d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ça, le petit lien euh, pour que vous puissiez retrouver toutes les sessions d'Adobe Max et que vous puissiez retrouver ben, justement tout ce qui euh, aura pu vous intéresser là-dessus. Et toutes ces sessions, pour la plupart, étaient en anglais, bien que certaines soient à la fois sous-titrées mais aussi traduites en français. Donc euh, n'hésitez pas à, à regarder, vous trouverez sûrement votre compte. Et euh, pour le coup, nous, sur cette semaine, on est en plein milieu de la semaine, c'est fou ça. Euh, sur cette semaine, eh bien vous voyez que lundi, on a traité du graphisme. Euh, moi j'y étais le, le matin pour vous donner toutes les nouveautés euh, autour d'InDesign, d'Illustrator, de Photoshop, mais aussi de bridge, donc pour tous les gens qui avaient besoin d'outils graphiques. Hum, le mercredi, le mardi, pardon, je suis perdu. Le mardi, c'était une session illustration autour de Fresco, Photoshop et un petit peu d'Illustrator pour euh, ne pas rater euh, les points qui pourraient vous intéresser. Demain, ce sera une session autour de la photographie, Lightroom, Lightroom classique et Photoshop, vous vous en doutez. Et vendredi, on fera un tour sur la partie vidéo avec Premiere et After Effects. Ça, c'est toutes les sessions qui ont lieu à midi. Mais euh, vous pouvez le voir sur l'agenda en dessous à 14 h Pauline reçoit ses invités. On, elle a reçu Jean Loufuse lundi à 14h pour parler justement de graphisme, des meilleures sessions, des sneaks et de ce qu'il a apprécié dedans. Hier c'était au tour de Kyle Webster pour de l'illustration. Cet après-midi elle recevra Vincent Go euh, qui nous parlera des nouveautés autour de la partie euh, substance, donc substance 3D, stager, designer, sampler et... et je vais évidemment oublier le dernier petit bout de substance, euh, painter évidemment. Et enfin, euh, pour terminer, nous aurons Allison Buns demain à 14h et euh, Nicolas Burnage vendredi à 14h. Bref. Une très grosse semaine une très bonne semaine j'espère que vous allez euh, pouvoir euh, bah, trouver euh, la session qui vous convient le mieux trouver les meilleurs euh, les, les, les meilleurs éléments trouver des réponses peut-être aux questions que vous pouvez vous poser sur vos diverses applications et du coup je vais vous faire un premier petit sondage là on est sur une session sur les nouveautés d'animation on va parler un petit peu de web aussi vous allez voir pourquoi euh, si vous regardez les icônes qui sont tuc tuc tuc, non, de l'autre côté qui sont là, euh, vous savez qu'il y a Fresco et Animate, ça c'est très animation, mais il y a aussi Adobe XD et euh, Adobe XD euh, c'est plutôt une partie animation pour le web, donc on va se donner un petit peu de, de billes dessus. On fera un petit crochet, un micro crochet autour d'After Effects parce que euh, on va parler un petit peu de Loti Et Lottie, on a commencé à en parler pas mal ces dernières semaines, donc c'est un peu le c'est un peu le moment de retrouver tout ça. Et bonjour aux, aux derniers arrivés, Fabrice, Tony. Vous êtes les bienvenus. <laughs> Alexandre me dit, n'hésitez pas à regarder les replays, tout à fait. Et Miss Solo, si vous voulez nous retrouver du côté Beyond, il suffit juste de cliquer sur le premier lien dans le chat. Voilà, n'hésitez pas. Euh, est-ce que du coup, donc les uns les autres, est-ce que vous êtes plutôt dans la partie animation? Est-ce que vous êtes plutôt dans la partie web? Et euh, du coup, quel est votre outil sur l'animation Est-ce que c'est animate Est-ce que c'est fresco Est-ce que c'est Photoshop tout simplement euh, Dites-moi ça dans le chat. Et je vais commencer évidemment, vous vous en doutez, par vous partager mon écran. Ce sera fait et ce sera bien pratique pour tout à l'heure. Hop, je me fais un petit rangement ici. Le temps de toute façon que vous puissiez, euh, que vous puissiez euh, réorganiser tout ça. Voilà. Check, check. C'est bien de faire un petit peu de rangement de temps en temps. C'est mieux d'avoir le temps de le faire en amont. Tac, voilà. Tac, tac, tac. Ça en fait des paquets de fenêtres à fermer d'ailleurs. Voilà. Oulala. là là. Et je vais vous guider, bien comme à notre habitude, sur le, sur mon Creative Cloud, parce que c'est quand même un peu l'endroit où tout se passe. Et ça va être le meilleur moment et le meilleur moyen de commencer. Tac. Voilà. Bienvenue, bienvenue chez moi, bienvenue sur mon écran. Vous êtes tous sur le Creative Cloud, vous avez peut-être besoin de comprendre ce qu'est ce qu Adobe Max. Eh bien vous allez sur le petit lien que je vous ai donné tout à l'heure et que vous, pouvez, euh, que vous pourrez cliquer. Il est présent dans la description pour ceux qui arriveraient en retard et qui n'arriveraient pas à retrouver le chat. Et vous allez pouvoir voir justement donc ces sessions. Adobe Max, il y avait évidemment les, la grande keynote avec les, avec, euh, les présentations des nouvelles des applications tout en anglais certes mais euh, tout était traduit et sous-titré il y a de l'inspiration il y a de l'innovation beaucoup il y a notamment les sneaks de max et les sneaks qu'est-ce que c'est c'est tout simplement les ingénieurs qui ont développé des super techno que vous allez pouvoir voir dans les, dans les prochaines euh, versions dans les prochaines révisions de vos applications et quand je dis que vous allez pouvoir voir Peut-être si on arrive à les mettre en place, si on arrive à les implémenter pour que ce soit utilisable par l'ensemble du public. Ça, c'est les deux grosses sessions. Mais ce qu'il y avait aussi derrière, c'est énormément de petites sessions sur la manière de créer, euh, de créer des contenus, la manière de rechercher un petit peu des trucs et astuces. Et notamment dans les sessions, vous pouvez retrouver euh, toutes les sessions. Et en cherchant dans toutes les sessions, vous pouvez rechercher par thème. Alors, les gens qui sont avec moi depuis trois jours, vous êtes un peu au courant et vous commencez à connaître fort bien cette page. D'ailleurs, vous savez peut-être où je vais aller. Mais ici, si je cherche, et eh bien, une, un sujet, par exemple, par rapport à Fresco, puisque ça va, ça va un petit peu nous concerner cette fois-ci, eh bien, sur Fresco, on voit ici, il y avait la session avec Sidweiler. Et la session avec Sidweiler, elle est on demand. Ça veut dire qu'on peut la regarder à nouveau. Donc moi je clique dessus parce que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai re-regardé hier pour voir ce qu'elle nous avait raconté. Et Sylvailer, vous la connaissez peut-être si vous êtes euh, utilisateur d'applications réseaux sociaux. Euh, typiquement du Instagram, du euh, Facebook ou autre, euh, parce qu'elle a réalisé il y a quelques temps, au-delà de ces petites illustrations, un jeu de stickers et un jeu de stickers qui était bien cool et bien classe avec les pigeons, des pigeons un peu idiots, des pigeons qui racontaient des choses. Et en fait, ce qu'elle nous a présenté dans la session, et vous pourrez revenir avec elle en détail, c'est la manière en fait dont elle a travaillé le process sur les pigeons. Ça, c'est une session que j'ai vraiment trouvé cool, la session L400. 11, en cherchant Fresco vous arriverez à remettre la main dessus et euh, moi je vais vous donner un petit peu en détail la manière dont on va pouvoir faire de l'animation à l'intérieur de Fresco mais euh, malheureusement euh, je m'en excuse tout de suite j'ai pas son talent en termes de dessin de pigeon donc on va euh, on va faire un petit peu plus adapté et un petit peu plus eh bien, par rapport à des sujets qu'on avait pu euh, qu'on avait pu préparer au fur et à mesure, je pense notamment au Inktober. Je vous ai fait un début d'Inktober complètement, euh, complètement basé sur, le... complètement basé sur euh, de l'animation dans Fresco. Je vous le montre. C'était un petit peu en avance par rapport à ce que vous aviez pu croiser. Mais non, je ne veux pas cloner ce projet, je ne veux pas appuyer sur toutes ces petites cases. Mais je m'étais amusé en fait à prendre chacune des frames d'Inktober et à utiliser différentes techniques autour de l'animation fresco. Et donc ça, c'est un des trucs qu'on va voir ensemble. Ok, ça vous va Est-ce que ça vous plaît tout ça un petit oui, un petit non. Si vous voulez retrouver ce projet-là, vous le savez, hein, vous êtes avec nous sur Beyonds.net/slash live/slash fr. Vous êtes en train de regarder le direct. Il y a la discussion ici pour échanger. Et dans Info sur le côté, vous pouvez me suivre. Et vous pouvez aussi suivre l'ensemble des artistes qui sont présents sur, le... sur nos sessions Adobe Live. Je suis. Voilà. Comme ça, tout le monde est calé et tout le monde est euh, tout le monde va pouvoir en, en découvrir un petit peu plus. Du coup, donc, comme vous le savez aussi, euh, sur les applications, quand vous cherchez sur la vidéo, par exemple, évidemment, la vidéo, ses premières pro, ses premières rush, vous savez aussi que euh, vous trouvez After Effects, vous trouvez Character Animator ou Animate. Chacune de ces applications a eu son petit lot de nouveautés. Et donc, si je prends Animate, par exemple, euh, qui est quand même l'outil d'animation par euh, par excellence à l'intérieur de, euh, de notre Creative Cloud, eh bien vous avez eu quelques petites nouveautés fort sympathiques. On va lancer ensemble, hop, il n'est pas au bon endroit, il devrait être là. Voilà. On va lancer ensemble Animate. Euh, et je vais faire une petite capture parce que j'adore ce fond d'écran, il est super joli. Et j'aime beaucoup les, les, les fonds d'écran cette année, ils sont tous très très mignons. Quand je lance animate, euh, parmi les nouveautés, en fait, on peut on a toujours, et ça vous ne le voyez pas parce que c'est caché derrière moi, regardez, c'est ici. Euh, vous allez voir en bas nouveautés. Et donc vous allez pouvoir cliquer découvrir les nouveautés euh, vous allez découvrir un petit truc qui va être important d'abord la parenté quand on fait des parentages d'animation et eh bien elle a été améliorée on va avoir le parentage qui prend en compte l'échelle l'inclinaison le retournement en, en plus de ce qu'il faisait déjà c'est à dire prendre en compte le déplacement donc quand vous allez avoir des personnages complexes que vous mettez à l'échelle et eh bien tout dans le parentage sera remis à l'échelle ce qui va être nouveau ce qui va être fort intéressant c'est que le squelette Avancé, pas en bêta. Donc, vous allez avoir un panneau squelettage qui va vous permettre, eh bien, de définir les euh, les membres, par exemple, les membres, les joints, les rotations. Qu'est-ce qui est souple Qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est mou Qu'est-ce qui est, qu est qui est dur, qu'est-ce qui est mou dans votre personnage Vous avez évidemment le panneau des actifs qu'on a déjà pris le temps de, de, de découvrir. Vous avez les exportations d'actifs, les partages pour publication. Ça, c'est des choses qui sont moins nouvelles. La vraie grosse nouveauté, de toute façon, c'est la parenté améliorée et c'est la, la nouveauté qui concerne le plus l'animation. Donc, on va euh, on va regarder un petit peu de quoi il parle, de quoi il s'agit, pardon. Et pour ce qui est du squelettage, ça a lieu dans les Bêta, et donc pour les versions bêta, il faudra passer via votre Creative Cloud sur les applications en bêta et retrouver Adobe Animate. Euh... Tiens, je l'ai même pas installé ici, donc euh, vous irez à la recherche d'Adobe Animate en bêta pour y avoir accès et pour découvrir toute la suite. Alex me confirme que les splash screens des applis cette année sont top. Euh, je vois qu'il y avait peu. Vous m'avez pas donné de réponse sur l'animation Ou c'est que je ne suis pas allé chercher au bon endroit Hop. Vous avez commencé à discuter sans moi. Animation Illustrator couplé avec After Effects, Animate et animation à la main pour Luc euh, coucou, coucou, bonjour, bonjour. Bon, bah, je saurais pas s'il y a beaucoup d'animateurs avec nous, à part Luc. Bienvenue, Luc. Je suis très content de vous, de vous, vous rencontrer. <laughs> et j'espère que je vous donnerai des, des trucs et astuces et des trucs intéressants pour ça. Donc, euh, quand je crée un nouveau document dans Animate, le truc c'est effectivement de parler de parentage. Comme je vous ai dit, hein, attention, ça va être de la démo plus technique. Je ne vais pas forcément avoir euh, le, côté, euh, le côté magique d'une un, démo avec des super, euh, des super rendus ou autre. Euh, si je prends celui-ci, voilà. Celui-ci va nous permettre de comprendre le parentage. Et euh, donc c'est un fichier de démo, il n'est pas de moi. Euh, vous le trouvez sur votre page d'accueil. Quand vous faites un nouveau document, créer un nouveau, vous avez en bas toute une liste de petits fichiers d'exemple que vous pouvez utiliser et sur lesquels vous pouvez retravailler. Donc n'hésitez pas à les tester, hein, c'est toujours, euh, toujours cool, il y a toujours des trucs qui sont chouettes. Et vous retournez dans Animate, et là vous allez voir qu'en fait on a déjà accès à l'os principal. Et cet os principal va nous permettre de déplacer le crâne de monsieur. De Bonnie Bones et pour la suite, eh bien, on va retrouver. Alors, je vérifie juste un truc. Ouais, ouais, je suis bien sur Animate 22 On va retrouver de la cinématique inverse sur les membres. On va retrouver la même chose ici de l'autre côté et du coup, vous allez pouvoir fabriquer une animation puisque chacune des étapes en sélectionnant soit les, soit les membres, soit les interpolations, soit directement les. Alors, je sais pas si ça porte un nom, ça. Je vais regarder comment il nous dit ça. Il appelle ça un nœud e IK, donc de cinématique inverse. Liaison rotation. Contrainte. Non, j'ai pas de nom pour ça. Donc ça va être un nœud, e, un nœud e terminal, en fait. Euh, qui va justement prendre en compte... Le déplacement et ça en fait bah, je l'invente pas. Vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir travailler dessus. Et ce qui est de cool, c'est qu'en fait vous allez pouvoir faire une animation en ayant. On voit ici sur l'interpolation, j'ai pas mal de keyframes qui ont déjà été mis en place. Et donc, si je tape entrée, j'ai directement le déplacement de mon squelette et je vais voir toute son animation, toute la danse. Alors là, c'est évidemment pas moi qui voulais réaliser, ce serait trop beau, trop facile, mais euh, non, non. Monsieur Squelette a disparu. Hop, on va le mettre un petit peu plus bas et on va lui mettre un petit peu d'éléments. Et vous voyez que chaque pose de l'animation sur l'armature a été définie par une keyframe. Ça vous plaît ça Est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est plutôt cool Que c'est plutôt bien foutu là-dedans Ah, ça y est, j'ai des réponses. Pas du tout animateur. Maintenant, l'animation, c'est dans Fresco pour Alex. Animation, pas vraiment, mais il n'y a qu'à pratiquer dans Fresco. Et Luc doit se trouver une tablette d'abord. Bah, ça va venir, Luc. Après, si vous avez un PC sous Windows avec une interface tactile stylée, vous pouvez tester sur les Windows 10. Normalement, ça fonctionne. Voilà. Ça vous va, ça on regarde vite fait comment ça a été euh, mis en place en termes de squelette, ou on regarde directement, on va, se, on va se créer un nouveau petit document avec juste la réalisation donc d'une euh, animation avec du parentage. Donc je vais prendre des objets. Je vais m'assurer que au niveau de la création de mes objets, ici, on soit bien sur du mode dessin d'objet. S'il est décoché, en fait, euh, hop, ici, quand je le sélectionne, j'ai juste du dessin, donc j'ai des éléments. Euh, j'ai des éléments animate mais une fois qu'il est coché en tant que alors il faut que je reprenne le raccourci c'est R pour rectangle s'il est décoché en fait je vais plus avoir le même rendu dessus donc j'aurai d'un côté cocher et de l'autre côté décocher. Quand je sélectionne mon objet ici, je sélectionne directement le fond. Quand je sélectionne là, j'ai un objet que je vais pouvoir manipuler différemment. Donc pensez bien à cocher le mode d'objet, ça va être beaucoup plus pratique pour nous. Donc hop, R pour le rectangle. Cocher le, le mode de création d'objets, et quand on va avoir coché le mode de création d'objets, ben on va pouvoir se créer un pantin. Je ne vais pas faire un pantin très compliqué, on va faire un pantin avec un torse, deux jambes, j'aurais même pu dupliquer les jambes, ça aurait été beaucoup plus malin, et des bras en T. Voilà. C'est le thème Halloween, donc on va avoir des, des bras en T. Tic. Et quand je vais prendre ces éléments, comme il s'agit bien d'objets, parce que j'ai dessiné des objets différents, je vais pouvoir demander en fait à Animate de faire un clic droit dessus, et je vais pouvoir les répartir dans les calques. En les répartissant dans les calques, vous voyez que j'ai tous mes calques et tous mes objets qui sont présents en dessous. Hop, on va glisser ça là, on va se laisser un petit peu plus d'espace pour qu'on voit toute la hiérarchie. Et cette hiérarchie d'objets, en fait je vais avoir ici donc la tête. Donc je la sélectionne et je l'appelle tête. Je vais avoir ici euh, le torse. Je vais avoir ici la cuisse gauche. C'est la cuisse droite en réalité, mais une fois que je l'aurai décidé, ce sera plus simple. Cuisse droite. Voilà. Je vais avoir ici la jambe le comment on appelle ça la jambe allez jambe gauche et ça porte sûrement un nom j'ai oublié mes cours d'anatomie Charles si tu es avec nous c'est le moment hop et jambe droite voilà c'est vraiment pour pouvoir vous montrer que ce truc là en fait c'est hyper simple à mettre en œuvre donc ici ça va être le bras gauche ici le l'avant-bras gauche et là, du coup, on aura le bras droit et l'avant-bras droit. Voilà. Donc là j'ai tout un élément complet et je vais, pouvoir le, je vais pouvoir assembler les éléments. Et donc je vais assembler les éléments de quelle manière, en fait, si vous avez suivi les dernières sessions qu'on a fait sur l'animation, vous savez qu'ici on a une petite euh, piste en plus pour afficher la vue parentée. Et j'ai même, comme vous le savez ici, une, un petit triangle en dessous pour propager l'échelle, l'inclinaison et la symétrie. Donc on va prendre le torse. On va afficher la vue parentée, Vous voyez, il me donne plus de place ici. Et du coup, ça va me permettre de dire que par exemple, la tête est enfant du torse. Je vais lui dire ensuite que <coughs> le, la cuisse gauche est enfant du torse, que la cuisse droite est enfant du torse, que la jambe gauche est enfant de la cuisse gauche. Je vais réorganiser mes jambes pour les mettre dans le bon ordre voilà, que les, le, bras le bras droit, et le bras gauche sont enfants du torse et que l'avant-bras gauche et l'avant-bras droit sont enfants des bras gauche et bras droit. Ok pour vous, ça va ça Maintenant ce qui se passe dedans, eh bien c'est que quand je vais déplacer par exemple avec la lettre Q, je vais déplacer mes éléments. et eh bien les éléments vont se déplacer ensemble. Donc quand je vais déplacer par exemple tout mon personnage. Tout va être déplacé ensemble, en termes de parenté, on va pouvoir commencer à faire des trucs rigolos. Et si on était un petit peu plus euh, avancé, et eh bien Q, je déplace le centre de rotation de mes éléments, je le mets plutôt à l'endroit où devrait se situer la, la jointure, et comme ça, je vais avoir par exemple et eh bien je vais bouger le torse Autour de la taille, j'ai bougé la tête plutôt autour du cou, j'ai bougé les bras autour des épaules et les avant-bras autour des coudes. Pareil ici, autour de la taille, pardon, Tic. autour de la taille pour les cuisses et autour du genou pour les. Tic. Pardon, suis-moi. Donc tout ça c'est avec la lettre Q. J'ai merdé un truc. Je pense qu'il est fâché avec moi pour le coup là-dessus. Celle-ci a décidé de tourner. Je sais pas ce que j'ai fait qui est différent sur les autres. Et maintenant en fait quand je vais tourner ma jambe, chaque élément va fonctionner indépendamment et je vais pouvoir maintenant prendre mes pistes d'animation et je vais pouvoir lui dire mais en fait sur tout ce pantin là, le pantin complet, et eh bien on va pouvoir rajouter par exemple une trentaine d'images d'animation. On va pouvoir euh, créer une euh, sur chacune de ces pistes, sélectionner chaque piste, clic droit dessus, et on va créer une interpolation de mouvement. Ça peut être une interpolation classique, ça peut être une interpolation de mouvement au choix. Il va me dire attention à que chaque objet en fait, mériterait de devenir un symbole. Donc on va le faire ici, chaque piste, une interpolation de mouvement, ok. J'aurais dû le faire dès le départ, ça m'aurait beaucoup simplifié la tâche, mais euh, comme vous le voyez et comme vous le constatez, je ne pense pas forcément à tout. Hop et on va le faire ensemble. Ça vous va ça Ok, salut Joël. Salut Gauthier. Découverte du squelette. Ouais, le squelette c'est plutôt pas mal. Là on est en train de regarder non pas le squelette pour le coup, mais on est en train de regarder le parentage. Et c'est lui qui a gagné euh, des, euh, des galons à l'intérieur d'Animate. Et le squelette avancé, comme il, est, euh, comme il est encore sur la bêta, on va se contenter en fait de regarder ce qui a. de regarder ce qui a été mis en place sur le squelette juste avant. Alors évidemment... Tout ce qui est fait en termes d'animation, euh, il y a toujours en fait cette, euh, cette question là qui arrive sur nos, sur nos objets, de savoir justement où se situent donc les angles de rotation, où se situent les éléments de nos différents, euh, de nos différents contenus. Et du coup, quand je vais vouloir faire mon animation ici, tac, alors attention, toujours la rotation au bon endroit, sinon je vais beaucoup le regretter. Je vais pouvoir lui demander d'attraper la tête, pareil, le cou. J'aurais dû faire cette rotation avant. Hop. Et je vais pouvoir faire ça sur les différents éléments de mon, de mon personnage. Et pareil pour celui-ci, on va se remettre au début. Celui-ci, on va bien vérifier qu'il est bien calé et qu'il est bien ancré, surtout à l'autre objet. Et on va pouvoir lui dire, ben voilà, là tu es ancré. Et ce qui m'intéresse, c'est justement qu'il puisse suivre le, le mouvement auparavant. Ok Ça vous va ça donc ça c'est le parentage et la grosse nouveauté de parentage à l'intérieur d'Animate. Donc surtout n'hésitez pas aussi à enregistrer votre fichier euh, parentage. Pentin. pas comme la ville. Ok. N'oubliez pas que du coup, à partir de là, je peux attraper, hein, je sais pas ce que j'ai fait, voilà, je peux attraper mon objet et je peux lui demander justement de le déplacer. Et la, une des nouveautés, c'était justement ça c'est qu'on avait le suivi des rotations, des déplacements, mais aussi de la mise à l'échelle. Et c'est ça qui va être vraiment utile c'est parce que euh, jusqu'à présent, si vous n'aviez pas le suivi de la mise à l'échelle, Hop, en appuyant ici et ne pas pro propager l'échelle Eh bien le risque c'était justement de resserrer la taille du torse mais de conserver les membres de la même taille donc c'était un peu étrange euh, ce qu'on ne souhaite pas faire donc on fait bien attention de cocher propager l'échelle l'inclinaison et la symétrie et là vous allez pouvoir mettre à l'échelle vos personnages directement euh, avec la touche majuscule ce sera proportionnel et ça vous permettra de faire des éléments plus complets est-ce qu'on récupère les infos du body tracker de caractère animator dans Animate ou After me demande Joël. Joël, je crois que tu m'as déjà posé la question il y a quelques temps et que ma réponse était non, je ne crois pas, pas du tout. Il me semble que cette question, je l'ai déjà vue et il me semble que je l'ai déjà vue de ta part. <laughs> du coup, on peut avancer là-dessus. Euh, si vous êtes intéressé euh, bah, par la, la question du body tracker, si vous revenez sur Beyond.net/slash live/slash fr et que vous regardez ce qu'on a fait les semaines précédentes, on a fait un tour sur la partie motion et je vous ai fait un tour dans ces mouvements dans Caractère Animator. Euh, on a fait un grand tour justement sur l'outil, sur le fonctionnement de Caractère Animator et on a regardé justement donc d'abord la création d'un personnage, on a fait la synchronisation synchronisation labiale à partir d'une voix off enregistrée dans Audition, et en descendant un petit peu plus loin, en fait, on a pris vous pouvez voir qu'il y, qu y avait un squelette qui avait été fait directement ici et que ce squelette, en fait, me permettait d'avoir directement la prise en compte des bras, la prise en compte des éléments, des mains, etc. pour pouvoir euh, compléter et pour pouvoir faire vraiment une scène euh, complète. Par contre, effectivement, pas encore de encore ouais, ouais si si t'inquiète il n'y a pas de il a pas de souci joël hein, a... <laughs> tout, tout va bien là-dessus de toute façon ce que vous mettez en place dans caractère animator l'idée c'était de pouvoir prendre tout ce contenu toutes ces pistes et ces pistes là de les réintégrer à l'intérieur d'un premier par exemple Alors, je sais plus à quel moment je l'avais fait mais je sais que je l'avais fait euh, en tout cas, vous irez chercher cette session là. C'était la semaine dernière. Il y a déjà eu pas mal de vues. C'est le moment d'y retourner et de compléter. Ok, ça vous va Ça oui, voilà. Donc, ça c'était la, la partie animate. Partie animate. Donc, la grosse nouveauté euh, depuis, euh, depuis Adobe Max, c'est effectivement ça. Donc, c'est mise à l'échelle des éléments. Par la suite, euh, on a aussi donc euh, dans Animate, on va se créer un nouveau document. Nouveau document pareil HD. On va voir que dans les éléments de fenêtre, on a les bibliothèques Creative Cloud, mais on a aussi les bibliothèques d'Animate. Et dans les bibliothèques d'Animate, si je dis pas de bêtises, <coughs> on, a, on a on a... où êtes-vous caché Est-ce que c'est -ce est dans les composants Bon, je tente. Je ne le connais pas par cœur, non, ça c'est les composants plutôt pour du site web. Ça, c'est les bibliothèques classiques, ça c'est les bibliothèques Creative Cloud. Et le panneau que je cherche et que je vais évidemment pas retrouver parce que sinon ça aurait été trop merveilleux. Euh, Est-ce que c'est. Ça va être le panneau des actifs. Voilà. C'est le panneau des actifs que je cherche. Le panneau des actifs, en fait, il va me permettre de retrouver des personnages, par exemple. Et euh, ces éléments-là ont déjà été préparés. Et donc, par exemple, si je prends le boy walk cycle, je peux prendre cet élément. Je peux lui demander d'ailleurs d'avoir des objets. Je peux lui demander d'avoir des éléments qui sont manipulés en bêta, par exemple celle-ci. Je peux prendre le boy tracker. Je peux le. Est-ce que je peux le poser sur ma scène Je le vois là. Hop. Est-ce que je dois le poser dans ma piste Est-ce que. Qu'est-ce que je fais Objet. Ninja Girl. Donc j'ai bien mes éléments actifs. Et normalement, je peux poser mes éléments actifs. Alors je n'ai aucune idée de pourquoi je n'arrivais pas à le prendre et à le faire glisser. Est-ce que c'est une question de stylet Peut-être. Donc toujours est-il que j'ai ma ninja girl qui est présente ici, que cette ninja girl, comme vous avez vu hein, quand je survole, euh, elle bouge, c'est un symbole, le Koala Fight pareil, il bouge, et quand je rentre dedans, en fait, je vois que j'ai plusieurs phases, j'ai la phase... Euh idle donc il ne bouge pas j'ai la phase qui marche euh, je vais réduire un petit peu tout ça comme ça vous allez voir les différentes pistes j'ai la phase qui, qui se baisse la phase qui donne des coups d'épée et la phase qui saute et du coup en fait quand je vais sortir de ça je vais pouvoir me servir donc de mon de mon personnage soit je regarde tout le clip soit je lui demande en fait en termes d'animation de retrouver des... via le sélecteur d'image par exemple, euh, hop, j'ai un sélecteur d'image à l'intérieur d'Animate qui me permettra choisir le d'aller choisir la bonne image. Et donc, hop, fenêtre, sélecteur d'image que j'ai vu trois fois et que je ne sais plus retrouver, voilà. Sélecteur d'image qui est là. tech on va le mettre là sur le côté. Et eh bien mon sélecteur d'images, je vais pouvoir sélectionner mon objet et je vais pouvoir lui demander de retrouver, donc de créer une image clé ici, et je vais pouvoir lui dire, bah tiens, on va commencer à tel ou tel endroit où on va prendre uniquement les images clés. Et du coup on va retrouver les images clés principales. Ici j'ai la une, j'ai la 51, la 103, et donc je vais pouvoir lui dire bah, là pour l'instant elle bouge, mais au bout de 30, j'ai besoin de lui mettre tac ici. La... j'ai besoin de lui mettre le déplacement et euh, je ne vais pas faire toute la boucle de déplacement mais je vais pouvoir lui dire qu'on va travailler et que ici à 40 eh bien on va reprendre le personnage et à 40 il va sauter c'était sauter à 40 je sais plus non sauter c'était la 200 et donc je vais pouvoir reprendre mon élément Stop, elle bouge et elle saute et elle fait son saut et attention elle fait le saut en boucle donc à moi de gérer le, le contenu donc ça c'est des trucs qu'on va pouvoir mettre en place ça va Oui. <coughs> eh ben merci Luc, si la session vous a plu, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est un premier truc. Je peux prendre un personnage et je peux l'animer et je peux retravailler dessus. Maintenant, je peux regarder toujours dans mon sélecteur d'actifs, euh, qui est là, que je n'avais pas retrouvé tout à l'heure. Je veux des éléments qui sont statiques et je vais me créer du coup un nouveau document. Toujours HD, on va attraper un autre personnage. Je les attrape au fur et à mesure, hein, je les teste avec vous. Et cet autre personnage, donc pour l'instant, quand je rentre dedans, je vois qu'il y a des éléments, je vois qu'il a euh, des, euh, des parties de son corps qui sont découpées. Donc je vais sortir de cet élément et je vais pouvoir lui demander de tester le squelettage dessus. J'espère. Hop. Verrouiller, appliquer le squelette. Je sens que objet manipulation, personnage manipulation, objet manipulé. Est-ce que du coup il me faut un personnage particulier pour faire du squelettage Oui, sûrement. Objet manipulé, tous. Et du coup il me faut que je parte dans les animés. Un personnage, objet manipulé, voilà. Donc on va pas le faire avec le monstre, c'est dommage, j'aimais beaucoup le monstre. Mais il n'a pas l'air motivé. On va tenter la Girl Tracker. Et là, tout à l'heure, ça ne marchait pas. Et là, ça marche super bien. Et je vais pouvoir manipuler Girl Tracker. Et j'aimerais bien lui coller un petit squelette. Appliquer le squelette. Est-ce qu'il faut que je rentre dedans Tac. Non. Je ne vais pas lui mettre de squelette aujourd'hui. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Vous ne savez pas comment ça marche et vous n'arrivez même pas à sélectionner un élément de tout votre élément animate. Est-ce que vous êtes très frustré On va se faire une petite session euh, différente dessus. Fumble fumble, je vous avais pas dit que j'allais vous parler de squelette. je voulais vous parler de parentage, ce qu'on a fait très bien ensemble et ce qu'on a fait très bien dès le départ. je vous ai présenté le squelette, une fois intégré, une fois animé. Euh, je vous présenterai pas comment on fait le squelette, euh, là aujourd'hui, parce que ça veut pas. Euh, en tout cas, sachez que ça existe, sachez que ça a été mis en place et que quand on a tout un squelette sur une, euh, sur une page, normalement, on doit pouvoir modifier toute l'armature, euh, même si je l'ai pas du tout, j'ai pas du tout accès ici. Donc je ne sais pas ce que j'ai foiré en termes de calque. Mais c'est pas grave. Je trouverai la prochaine fois. Promis. Ça ira quand même Allez. On va avancer parce que si on n'avance pas, on s'est déjà fait une petite demi-heure sur Animate et euh, moi c'était pas tout à fait ça que je voulais vous montrer. Euh, je voulais vous montrer un autre petit truc euh, avant de repasser à l'intérieur de Fresco. Donc sur euh, Fresco, il y a tous ces petits contenus qui ont été réalisés et euh, on va pouvoir voir un Fresco, un sondage. Tout le monde connaît Fresco, c'est bon pour vous Un petit oui, un petit non dans le chat. Euh, c'est parce que Fresco c'est notre application sur iPad qui permet de faire du dessin, du croquis. Vous avez des outils de pinceaux classiques. Ici on a des, des crayons. Mais quand je vais au-delà de mes crayons, vous allez voir que euh, j'ai des outils de peinture avec de la couleur, avec des éléments d'aquarelle, des éléments de, de couleurs un petit peu plus complexes. Et euh, ce qu'il y a de plutôt cool, c'est qu'au-delà de tout ça, on a des pinceaux vectoriels qui vont nous permettre eh bien, de travailler sur, les, euh, sur des éléments euh, plus nets. Plus, euh, plus complet. Et ce qu'on va faire et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'animer tout le contenu qui a été réalisé sur Fresco. Et ça, ça va commencer à être très rigolo. Et on va voir un petit peu comment ça marche. Euh, mais, euh, mais je le garde euh, pour, euh, sous le coude. Je vais vous partager tout ça sur ma tablette. Pour la fin, on refera un tour dans Animate et on fera un petit tour dans After Effects. Ok si tout le monde est là et si tout le monde est bien motivé. Tac, donc QuickTime Player. Je suis dans QuickTime Player. On va masquer le reste. On va faire un nouvel enregistrement vidéo. Et sur ce nouvel enregistrement vidéo, on va aller chercher l'iPad. Coucou. Et oui, je suis sur Convert aujourd'hui. Quelle chance. Donc, je suis sur l'iPad. Il y a plein de choses dessus. Nous allons décider plus tard. Et tout le monde connaît Fresco, donc oui, un peu, oui, Fresco, mais sans la maîtrise, oui pour Stella, oui pour Camille, évidemment, j'espère bien. Euh, hop, et Delphine a le droit de revenir au replay. D'accord, Delphine, à tout à l'heure. Donc Fresco, comment ça marche euh, Le fonctionnement est relativement simple. D'abord, sur le panneau accueil, vous avez accès à tous vos fichiers récents, une fois qu'il se rend compte qu'il est connecté. Euh, si vous avez suivi la session illustration d'hier, on a pris le temps euh, d'abord bah, sur les la quatrième image, par exemple à droite, de reprendre la de reprendre un fichier Photoshop qu'on venait de fabriquer. Euh, toutes les images, celles sur lesquelles... Alors attendez, je vais lui demander... Euh, il faudrait que je lui demande dans l'entrée. Et je le fais juste pour vous, parce que je suis hyper sympa. Et vous savez à quel point je trouve ça pénible quand c'est lancé. Voilà. Donc ici, par exemple, euh, c'est un document PSD qu'on a ouvert hier. Euh, là, c'est un document pareil. Photoshop sur lequel on a travaillé différentes couches pour l'illustration. Si vous voulez voir comment on a fait euh, justement tous les passages d'ombre, de, de, par exemple dans Photoshop, depuis Illustrator vers Photoshop, ce sera là. Mais euh, dans Fresco, on a travaillé sur des motifs, on a travaillé sur l'usage des pinceaux, sur les nouveaux pinceaux de Kyle Webster, on a fait des éléments en perspective. Aujourd'hui, on va faire de l'animation. Et donc de l'animation, j'en ai fait quelques-unes ces derniers temps. Je peux les retrouver dans... Dans mes fichiers et dans mes fichiers je peux les retrouver dans les petits dossiers qui vont bien euh, est ce que je les mis dans anime voilà dans intober 21 donc j'ai tous les derniers euh, les derniers fichiers que j'avais mis en place le seul qui est pas animé, j'avoue, c'est le petit esprit, le petit fantôme qui est là, euh, parce que ce jour-là j'avais beaucoup, beaucoup trop de, de contenu et le Inktober qui est pas fini. Vous voyez, j'ai pas réussi à faire les neuf suivants, donc euh, je me suis dit que j'allais faire une pause et que j'allais vous proposer du contenu pour aujourd'hui. Donc, euh, si je prends par exemple un, un fichier comme le bateau, le vaisseau, euh, ça a été construit classiquement sur Inktober. Je vais vous montrer le. Le time lapse de celui-là. Au niveau de la, de la construction, en fait, je suis parti donc sur le croquis que vous aviez vu passer. J'ai fait le dessin de mon bateau. Euh, j'ai fait le dessin sur différents calques des éléments que je savais qu'on allait animer séparés. Et puis une fois que j'ai eu mes éléments animés séparés, eh bien, j'ai calé les différents points pour pouvoir refaire des versions de chacune des images d'animation et j'ai adapté en fait les images d'animation en fonction de mes besoins alors avec des petits trucs d'animateur on le voit en bas sur le rythme des vagues et la modification savoir où elles étaient en grand comment elles se diminuaient avec le temps etc pour avoir à la fin et eh bien le remplissage et la mise en place de cette petite animation que j'ai trouvé plutôt cool donc ça c'était le timelapse de la création de ça euh, je vous remontre sur fresco si je fais juste lecture tac lire tout j'ai ma petite animation, j'ai mes petites vagues et j'ai mon petit bateau. Et quand j'ai terminé ce truc-là, eh bien, je peux passer sur le partage. Vous connaissiez évidemment l'exportation rapide qui vous permet d'enregistrer tout simplement un fichier, euh, un fichier PNG. Donc sur votre pellicule, ça c'est le, le, le point connu. Vous connaissiez aussi, euh, vous saviez aussi que vous aviez accès dans les dans les contenus à publier et exporter pour faire par exemple euh, l'exportation. Alors comme ça a été fait sur une version bêta, j'ai plus le time lapse de ça, mais on aurait pu le faire ici. Et j'ai désormais moyen de lui demander d'exporter le mouvement. Et donc exporter le mouvement, il va choisir donc le nom du fichier. On va pouvoir exporter en MP4. En fichier gif ou en séquence png et on va pouvoir lui demander d'avoir de, donc les paramètres automatiques ou des paramètres prêts pour le web et donc prêts pour le web il réduit ça à 1080 par 1080 et toute la mise en place donc générer les images exportation du mouvement il me crée l'animation et ça je vais pouvoir exporter et donc l'enregistrer pareil enregistrer la vidéo sur ma pellicule ça c'est un truc qui est relativement simple et c'est aussi simple que ça pour la partie export maintenant je vous montre comment on fait ça je passe sur mon panneau accueil créer et je vais créer avec vous une illustration ok ok Oh mon bateau nous chante pierre, s'il est rigué, je vois pas le problème. Est-ce qu'on peut animer un avatar avec euh, animate Me demande Denis. Ah oui, d'où la question, d'où la réponse. Si l'avatar est rigué, pas de problème. Ouais, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme euh, animation aujourd'hui Je vous laisse voter. Est-ce que vous voulez un personnage Est-ce que vous voulez juste un visage Est-ce que vous voulez un objet Est-ce que vous voulez un bout de décor euh, Donc sondage, personnage, animal, objet ou décor Parce qu'on est capable de faire plein de trucs dans Fresco, vous le savez, hein, en termes de dessin, je choisis toujours mon crayon pour démarrer. Euh, J'ai toujours les touches, justement pour voir où on va dessiner. Si je fais un personnage, je sais qu'il aura des petites pattes et des grands bras parce que c'est plus, euh, plus rigolo et je suis pas euh, animateur euh, complet. Si on veut animer un visage, on fera une tête un petit peu plus grande. Hop, on lui placera un nez, des yeux. Euh, on retravaillera justement peut-être les mouvements des oreilles et peut-être que les mouvements des yeux seront beaucoup plus importants. Euh, si on fait un objet, euh, je vais faire un objet qui roule parce que ça m'amuse bien et que ça me simplifie la vie. Vous voyez que mes modèles de voitures sont pas très complexes, et j'occupe un peu le terrain le temps que vous répondiez aux questions. Alors, décor, objet, animal, décor, personnage, 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 décor, pourvu que ça tienne, euh, visage. Euh Hop. Ouais j'ai mis animal mais en fait mon animal ce sera un personnage animalier on lui mettra des grandes oreilles hop on lui mettra des grandes oreilles on lui mettra une queue qui bouge et le décor donc j'ai un deux trois déc deux décors trois décors deux objets des personnages ouais, vous êtes pas sympa vous arrivez pas à vous décider franchement ça m'aide pas beaucoup c'est vrai que c'est plus rare de voir des petits décors animés. Euh, allez, on va le faire en deux temps. Il est 43, on va aller assez vite. Je vais démarrer sur le décor et puis on verra si on peut rajouter le reste, ok Donc si je veux rajouter un décor, un petit plus, euh, je, me, je vais poser en fait les bases de mon décor pour avoir des trucs à animer avec vous. Euh, j'ai, Vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai fait un carré de 2100 par 2100. En réalité, pour le web et pour l'export, euh, pour l'export vers Instagram, par exemple, je tomberai à la fin à 1080. Mais, <coughs> par habitude, euh, je sais qu'il y a toujours ce moment où je me dis, ah oui, mais en fait, euh, je vais l'utiliser pour faire la promo sur euh, un autre format, une autre plateforme. Et du coup, en passant en 2100, je suis sûr d'avoir au moins 1920 de large utilisable en HD. Et ça me permet de moins avoir à refaire les contenus donc, on va se mettre <coughs> quelques arbres. Euh, comme c'est l'automne, on aura des feuilles qui bougent et qui volent le long des arbres. on aura euh, peut-être plusieurs niveaux euh, sur, ce, sur ce décor. on aura, euh, pour que ce soit rigolo, on va avoir le passage d'une route, ce qui me permettra éventuellement de remettre mon personnage tout à l'heure. Euh, et sur ce décor, d'ailleurs, je vais être beaucoup moins, euh, beaucoup moins audacieux sur la route. je vais afficher la grille. Parce que la grille, ça m'aide toujours beaucoup. On va la mettre un peu plus présente et on va la mettre surtout un petit peu plus espacée. Voilà. Euh, ça va être suffisant là-dessus. Euh, ouais, pourquoi est-ce que je dis que je vais être un peu moins optimiste C'est que je vais mettre une route à l'horizontale. Ça va me simplifier énormément, énormément la vie. Et donc, euh, une fois que j'aurai fait ça, euh, je sais que sur le bord de ma route, j'aurai des bornes kilométriques, parce qu'on est en France et on aime bien les petites bornes kilométriques. Je sais donc que j'ai mes arbres. Je sais que j'aurai peut-être... Euh, bah, on est sur un, une bord, un bord de route français, donc des peupliers. Je sais que je vais avoir euh, peut-être une colline euh, qu'on va réutiliser avec un petit village, avec euh, la mairie, l'église et euh, les trois petites habitations autour. Euh, tout ça, c'est prêt pour mon dessin. J'hésite pas à le, à le nommer parce que j'aime bien. Donc, décor animé. Tac. Décor animé euh, directement dessus. Et là, je peux prendre donc mes pinceaux. Je vais choisir mes pinceaux. Euh, je vais regarder ce que j'ai en gros pinceau un peu épais. Hop. Décor, s'il n'y a pas d'animal. <laughs> ouais, finalement. Euh... Euh, je vais prendre une brosse. Alors, je vais aller chercher dans les brosses de Kyle Webster. Comme vous savez, hein, j'ai des bibliothèques. Je peux rajouter à tout moment des nouveaux pinceaux. Et euh, du coup, là, j'ai accès aux brosses de l'automne, aux brosses de l'été, aux brosses du printemps et de l'hiver précédent. Donc, je sais que j'ai accès à tout ça, que je peux m'y abonner ou me désabonner en fonction du temps et en fonction de mes besoins. Et quand je prends les brosses, par exemple, du... de l'automne, je sais que Kyle nous avait donné des brosses un petit peu épaisses qui étaient plutôt cool. Donc je vais les laisser charger. Je ne les ai pas chargées depuis un certain temps. Euh, hop. Je crois que la egg brush était vraiment cool. Ouais, la egg brush elle était bien, mais la double edge était bien aussi. Donc on va se faire notre petit dessin. Double edge, je sais que je veux au démarrage, euh, je veux avoir mon fond de pelouse. Tac la pelouse c'est vert un peu clair donc on va se mettre le fond sur un premier bord et comme j'ai envie que ce soit un petit peu plus sympa on va avoir hop on va utiliser profiter justement de cette de, cette, de ce pinceau je sais pas si vous voyez hop. alors je vais virer la grille non je vais garder la grille un peu allez on va baisser l'opacité de la grille je voilà. <laughs> vais pouvoir lui demander en fait de tourner pour pouvoir utiliser justement ce double edge, tac, là-dessus, et retrouver un petit peu de, de forme. Si je décide, alors je ne sais pas si vous voyez quand je fais ça, je, je, je dessine un peu comme un cochon, ça déborde. Si j'ai besoin que ça déborde pas, ici, verrouiller la transparence. Je vais tenter l'autre pinceau qui était en dessous, qui était le egg brush, et le egg brush, tac, on va pouvoir l'utiliser comme ça et 175, c'est un peu léger. On va pouvoir l'utiliser comme ça, à fond. Voilà. Et là, j'ai presque l'impression de faire le type d'illustration que je vous présentais hier. Donc, j'ai mon premier plan qui est prêt. Je vais faire un deuxième plan. Et alors là, je vais vous donner une technique de Sioux pour pouvoir faire de l'animation de décor. Euh, C'est que je vais demander, en fait, à ce que mon deuxième plan euh, soit centré dessus. On va passer devant plein de villages différents, avec plein d'églises différentes. Donc, on va prendre... Hop, le premier, on va bouger un petit peu, euh, peut-être un petit peu plus jaune parce qu'on est dans le fond, un petit peu plus clair. Ah non, on est plus bleu dans le fond, pardon. Le soumato, hop. On va reprendre le pinceau de tout à l'heure, donc le double edge, et le double edge, on va l'utiliser là pour faire le décor. Et je vais le faire en fait au milieu. Je vais faire une colline qui va passer au milieu de mon, de mon décor. Et cette colline qui va passer au milieu, donc comme tout à l'heure, je vais lui demander de verrouiller la transparence. Je vais choisir un autre pinceau, mon egg brush. Euh, en ayant verrouillé la transparence, je peux tourner autour. Je peux choisir, ben, on va prendre la couleur intermédiaire. Et on va peindre avec le egg brush dessus. On va peindre même avec une couleur. Donc on va prendre ça, plus foncé. Et le egg brush un peu plus grand. Voilà. Comme ça, on a un rendu plutôt cool, en tout cas qui moi me plaît bien et qui fera la blague. Évidemment, mon arrière-plan est derrière le premier plan. Pas hésiter à réorganiser vos calques. Ce sera sans doute pas la meilleure composition du siècle. J'espère que vous m'en voudrez pas à mort. Euh, et du coup, comme je vous l'avais promis, on va se rajouter un petit bout d'église dessus. Tac. Je dis église, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme bâtiment public. Vous pouvez faire des synagogues, des mosquées, des temples, vous pouvez faire des mairies, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a, a pas de souci. Hop. Donc j'ai un bâtiment dont j'aime absolument pas la couleur. Voilà. On va se faire un bâtiment, on va regarder dans les brosses. Je dois avoir des brosses un petit peu carrées qui vont être un peu cool. Euh, hop, hop, hop. La brosse en cercle, la brosse boxite elle est pas mal pour ça. Hop, on va se faire une ville. Merci Kyle pour cette brosse qui me permet en deux clics de faire des villes. Donc là j'ai ma ville qui est en train de se préparer. On va faire des toits autour. Et pareil, donc les toits c'est plutôt de la tuile, un peu bleue, désaturé. Voilà. Et on va prendre... On va reprendre l'express ink. Voilà. Donc on se donne vraiment des contenus qui sont plutôt cool. Qui sont plutôt simples. Et tout ça, c'est beaucoup trop fort. Hein, en termes de couleur. Et c'est pas du tout la bonne brosse. Je sais pas si j'ai des brosses triangles. <laughs> Allez. Je pense qu'on va arrêter de chercher des brosses complexes. Et qu'on va se contenter de faire un peu des toits là où il y en a besoin. Tac ça fera l'illusion, ça fera la blague pour la session du jour. Ensuite, donc, je vais avoir au-dessus de ce plan-là des arbres. Donc les arbres, ça je peux y aller comme un fou et reprendre mes arbres de tout à l'heure. Couleur un petit peu foncée. Tac. Hop, c'est du Vincent Van Gogh ces arbres. C'est très bien. Je vais avoir euh, un groupe de trois peupliers euh, qui s'assoient sur un tronc hop, un petit peu sombre. Et un peu plus serré voilà et je peux compléter donc remettre un petit coup de un petit coup de verre sur les arbres voilà hop on va leur remettre du plus épais original pour pouvoir avancer dessus ok ça vous va ça euh, tout le monde est content de, de, de voir du dessin en direct et de voir comment on va, animer un, comment on va tranquillement animer un décor sur notre euh, sur Fresco. C'est bon pour vous. <laughs> euh, je vous ai dit qu'on aurait des feuilles d'automne et du coup j'ai fait des arbres bien verts. On est raccord. Si j'ai besoin de changer la couleur de mes arbres, euh, pareil que tout à l'heure, je verrouille la transparence, je choisis un pinceau vraiment en mode couleur, arrondi net, je vais lui mettre un, une couleur plutôt automne, voilà, et je vais lui demander que le pinceau, en termes de mode de fusion, il soit en mode couleur. Tac. Et c'est l'automne Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ce tour de passe-passe sur finalement les arbres sont à l'automne euh, finalement, euh, tout est à l'automne, c'est-à-dire que le village, Oups, pardon. Le village dont j'ai verrouillé la transparence, tout le monde va passer en mode automne. Peut-être automne plus clair. Voilà. Et je vais faire pareil avec mon premier plan. Que ce sera plutôt pas mal. Premier plan, automne un petit peu plus dense. Voilà. Donc n'hésitez pas. Franchement, ce truc-là de changer de pinceau et de faire du verrouillage de transparence, c'est plutôt cool. Et ensuite, on va se faire un ciel qui va arriver derrière tout le monde. Hop, je le glisse derrière. On va prendre... Toujours dans notre catégorie des pinceaux de Kyle, du Vortex Variant. Euh, on a un Vortex Brush, mais là on va prendre le Vortex Variant et on va aller chercher une couleur qui était de la couleur de tuile. On va aller Vortexer Variant derrière. J'adore. On va Vortexer plus clair. On va Vortexer encore plus clair. Et on va finir par avoir texté en blanc. Donc voilà comment je vais pouvoir travailler mon petit décor. Quel artiste, merci. Euh, bah, ça fait plaisir. Je suis content que vous soyez toujours là en train de me regarder dessiner. Euh, du coup, donc j'ai bien mon décor qui est là. J'ai pas encore ma borne kilométrique. On va se rajouter une borne, la fameuse borne kilométrique. Je vais prendre le vortex brush. Je vais d'abord finir les. Je vais me faire des petits nuages. Les petits nuages, c'est toujours cool, surtout en automne. Euh, hop, petit nuage blanc. Ça c'est ripolo. Je peux faire un petit nuage par calque. Je peux faire plusieurs petits nuages sur des calques différents. Euh, on va faire un ripolo plus petit. On va faire des petits nuages, hein, parce que c'est l'automne il y a des nuages qui passent de partout. Je sais qu'on les voit pas bien les nuages sur les fonds transparents et blancs, mais vous allez voir tout à l'heure on sera très content d'avoir anticipé nos petits nuages. Et euh, on continue avec la borne kilométrique. La borne kilométrique, on est sur du beaucoup plus classique. Donc on va repartir sur le double edge, ou le concept. Le concept il est comment Je suis derrière. Si je suis derrière, je ne vois rien. Donc on va se mettre juste derrière là. Hop, la borne kilométrique. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au mille bornes. Vous m'en voudrez pas. Tac. Ça fait pas super longtemps, mais quand même. Tac, Donc ici, verrouiller la transparence. On se fait une borne kilométrique du mille bornes. Hasbro, si vous me regardez, vous êtes les bienvenus. Tac. Et toujours là dessus. Toujours en mode de fusion produit cette fois-ci et en opacité réduite. Alors attention, opacité c'est là. On va mettre de la couleur sur le côté de notre borne. Voilà. Et, 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 et on va partir sur du bleu pour la couleur un peu réduite. Voilà. Et je ne vais pas mettre sur ma, mil ma millième borne je vais pas mettre de numéro parce que comme elle va repasser je risque d'être très triste donc ça c'est mon décor animé j'hésite pas à enregistrer maintenant si je suis très fier de ça j'ai plus trop besoin de la grille je me servirai de la grille plus tard donc on va masquer la grille hop et euh, j'ai pas encore fait la petite route qui va bien mais la petite route en fait ça va être un dupliqué de celui-ci dupliquer ce calque et ça va être un dupliqué du calque cette fois ci en gris Tech. On va prendre ça, on va baisser ça, et on va lui dire que tout passe, oh là, pardon. Tout passe en pinceau couleur gris. Donc ça c'est ma route. Et comme c'est une route, on va lui demander d'avoir des, des pointillés au milieu. Qu'on va fabriquer en. Alors est-ce que Ratchet s'est adapté à du pointillé Je ne sais pas. C'est pas du tout adapté à du pointillé. <coughs> Qu'on va fabriquer. Allez, on, avec brush, ça fera la blague. Euh... on va se faire un. Voilà. <coughs> Donc là, j'ai ma route. J'ai ma route et je vais déplacer ensemble la route, voilà, comme ça, et je vais y dire ok, tout va bien, on a fait nos déplacements, on a prévu tous nos contenus, on a enregistré notre décor, parce qu'on est quand même assez fier du début, et euh, une fois que j'ai ce décor là, en fait je vais pouvoir l'animer. Et donc, l'animé, je vais choisir ce que je vais animer et dans quel ordre. Et l'animation dans Fresco, c'est hyper simple. Euh, c'est pour ça que je me permets de, de vous le montrer rapidement. C'est que je vais pouvoir lui dire, bah, en fait, euh, sur l'animation, je voudrais que la borne kilométrique se déplace. Donc, je sélectionne le calque de la borne, et là, je vais cliquer ici sur Animation. Et Animation, je vais lui dire, bah, ok, la borne kilométrique se déplace, et elle va se déplacer à l'horizontale, le long d'une ligne. Donc je prends un tracé, j'ai une option de tracé dessus, tracé, et je vais dire, en fait, ma borne kilométrique, elle va faire ça, et ma borne kilométrique, elle va se déplacer dans ce sens-là. Je me dis que je vais le faire dans l'autre sens, ce sera plus malin. Tac. Donc j'ai ma borne kilométrique qui se déplace dans ce sens-là, et je sais aussi que, par exemple, mes pointillés de route, je vais les doubler parce qu'ils vont se déplacer à la même vitesse que les pointillés de la borne kilométrique. Donc, je peux prendre le tracé de la borne kilométrique, je peux copier les tracés, je vais prendre les tracés des pointillés, et je vais lui demander ici, tracé. Tracé, tracé, voilà. On va se faire un bout de tracé. Et on va lui dire, là-dessus. Est-ce euh, que j'ai besoin de faire un bout de tracé d'abord Supprimer les tracés. Je ne sais plus comment je colle les tracés. Ah, ça c'est pas malin Franck. Donc c'est pas grave, on va faire pareil en fait avec les pointillés. Donc je vais lui demander en fait. Voilà, c'est là, c'est coller les trajectoires. Voilà. Et donc là, vous voyez que ma trajectoire de bornes kilométrique, eh ben, elle fonctionne de partout parce que j'ai mes tracés qui fonctionnent ensemble. Ok donc je vais pouvoir déplacer mes objets ensemble. Quand j'ai plusieurs objets à déplacer, j'ai plusieurs options à l'intérieur de, de Fresco. Et une des options, c'est justement de déplacer, euh, de déplacer deux objets. Ce que je peux faire aussi, c'est que sur la, cette trajectoire, en fait, j'ai qu'un seul objet. Donc je vais pouvoir lui demander en fait, de supprimer ces tracés-là. Il ne m'intéresse pas trop. Je vais, du, je vais par contre créer un tracé. Et je vais lui dire qu'on va partir de la moitié jusqu'au milieu. Du coup, au début, il n'y a rien et ils vont arriver sur la fin. Et je vais dupliquer en fait celle-ci. Donc, je vais prendre mon calque. Je vais me mettre dans le calque normal. Donc, je vais dupliquer le calque. Et je vais lui demander de faire pareil. Je vais lui dire, ben, OK, je vais prendre le tracé. Je vais prendre le mode tracé dessus. Et je vais prendre celui-ci. Et celui-là, on va l'effacer. Voilà. Et comme ça, en fait, je vais avoir mes deux calques qui vont se lire ensemble. Et je vais avoir l'arrivée de la route et la fin de la route de l'autre côté. Je peux aussi me dire qu'un jour, on sera capable, à l'intérieur de Fresco, d'avoir exactement le même, le même déplacement. Mais vous voyez que pour mes mille bornes, on commence à arriver à un truc plutôt cool. Ensuite, eh bien, vous avez tous fait cette expérience le long d'une route. Euh, quand je vais me déplacer, eh bien, mon décor, par exemple mes arbres vont se déplacer, mais ils vont se déplacer plus lentement. Et là il y a une option qui est cool pour l'animation dans Fresco. C'est que je vais, pouvoir lui dire, euh, je vais pouvoir lui dire en fait ces arbres, ils vont se déplacer, toujours dans le même sens, et ils vont se déplacer très doucement. Donc je vais le faire, je vais les dessiner doucement. Oups, qu'est-ce que j'ai fait voilà. Tracer. Et je vais dessiner tout doucement. Je vais volontairement très doucement. Je serai sûrement lassé avant la disparition de nos petits peupliers. Voilà. Et le truc, c'est que je peux lui demander, en fait, au niveau de cette euh, vitesse, d'avoir la vitesse d'origine. C'est-à-dire que là, euh, je suis allé très doucement. Et en lui demandant la vitesse d'origine, on va regarder l'animation. J'ai bien mon premier niveau d'animation qui se fait sur les premiers objets. Et puis j'ai euh, pas de vitesse du tout là-dessus. Tac, pause. Est-ce que on va le mettre en vitesse uniforme et on va se mettre sur 120 images. On va voir si je m'en sors mieux. Voilà. Et là, on commence à avoir le déplacement et on commence à ressentir la parallaxe parce que mes arbres mettent deux fois plus de temps que ma borne kilométrique et ma route. Vous vouliez du déplacement de décor. Vous vouliez pas du déplacement. Il y, y a Luc qui me dit mais il y a une timeline dans Fresco. Ouais, on va y arriver. Euh, C'est toujours à sa borne, à la borne qu'on reconnaît le maître. Tiens, je vois pas d'où ça vient. Ok. Donc si j'en suis là, je peux faire de même avec le village. Le village pour l'instant il n'a pas encore d'animation, et on va faire passer le village tranquillement, Tac. voilà, là-dessus. Et le village, comme il est derrière, eh bien il va se déplacer en beaucoup plus de temps encore. 190. Tac. Et nous voilà en lecture avec nos différents éléments nos différents sapins euh, nos différents bouts de village qui se déplacent progressivement tout du long et on va avoir une animation qui va boucler et qui va boucler automatiquement pour nous et ça c'est un truc que je trouve assez cool parce que du coup on a vraiment euh, des euh, on a vraiment moyen en fait de ressentir l'animation assez rapidement et maintenant c'est l'automne tracé je prends mes petits nuages je me mets sur mes quatre calques de nuages et donc je vais en avoir un qui va voyager comme ça un qui va voyager tracé comme ça, plus lent. Un qui va voyager tracé comme ça, plus rapide. Et le dernier qui va voyager tracé, tac, voilà. Pause. On va lire tout le monde en même temps. Et on va regarder ce que ça donne. J'ai des nuages qui vont vite, j'ai des nuages qui vont doucement, j'ai ma borne kilométrique qui se met en place tout doucement, euh, j'ai euh, toute mon animation qui se joue, et euh, je trouve, perso, que c'est plutôt cool. Je pense que j'aurais pu baisser encore le village parce qu'on voit les endroits où j'avais pas nettoyé. Donc je vais reprendre le tracé du village. Hop, je vais sur le village. Oups, pardon, sur le village, sur le tracé du village, je me mets en mode tracé sur mon village et je vais lui dire que en réalité le tracé on va le faire beaucoup plus bas tech et on va effacer celui-ci voilà est-ce qu'on est mieux en termes de tracé de village on va le savoir dans quelques instants quand il aura fait son tour ouais on est vachement mieux Non, on est beaucoup trop bas. Donc, on va le faire partir d'ici au moins. On va effacer celui du bas. <coughs> faut pas hésiter hein. dans un premier temps. Vous testez, vous regardez comment ça marche. Là, on a bien le village, on a bien les arbres. Je pense que j'aurais pu prendre mes, mes nuages dans l'autre sens et que ça aurait pas été très grave. Euh, voilà. Donc, tout ça. Oh, pardon. Il y a Moma qui a décidé de se mettre en pause. Ça fait longtemps que le Mac est en pause J'espère pas trop. Je sais pas pourquoi il est en pause. Il a aucune raison de se mettre en pause. Voilà ce qu'on peut faire avec. Maintenant, euh, je vous ai dit qu'on avait, euh, avait moyen justement de faire ce décor et on a moyen de rajouter des éléments. Donc les éléments qu'on va rajouter, je vais me faire une petite pause ici et puis on va se rajouter. Allez. Une voiture un objet qui sera un véhicule et donc euh, la voiture qui va passer on va la faire animer et on va la faire animer en image par image donc je vais me rajouter une euh, un calque ici un petit calque on va le mettre tout au-dessus parce qu'il n'y a pas de raison hein, c'est le premier calque qui va nous servir on va faire un découpage de voiture je ne sais plus qui me demandait de l'animation timeline dans Fresco. On va pouvoir en avoir. Je vais pouvoir lui dire ici, je choisis un pinceau du Double Edge. On va faire une voiture euh, jaune. Une voiture oui oui. Hop, opacité, jaune, orangé, plus vif. Voilà. Je ne fais pas des voitures très complexes je fais des voitures euh, des voitures qui fonctionnent et euh, ma voiture jaune en fait eh bien elle va avoir donc des fenêtres ok et elle va avoir des roues et c'est les roues qui vont nous intéresser en termes d'animation mais ce qui va être cool c'est que je vais pouvoir décomposer en fait les roues et le reste. Donc ici je vais faire une roue et là je me rends compte que mon pinceau est resté. On va le ré réinitialiser. On va se faire un nouveau calque pour les roues. Une roue. Deux roues. Et que euh, sur mes roues, je vais lui dire, en fait, la voiture, elle roule. Petit plus, on fait une nouvelle image clé. Et je vais lui dire, en termes de réglage, j'ai besoin. Pardon, j'ai besoin de ne pas changer de calque. En termes de réglage, j'ai besoin d'avoir la pelure d'oignon. Donc de voir où était la roue précédente. Et si j'ai vu la roue précédente, bah maintenant je peux dessiner là, la deuxième roue, ici, et je vais rajouter encore des roues parce que je trouve ça cool, et des roues et des roues. Et vous allez me dire, oui mais Franck, on ne voit pas trop qu'elle tourne tes roues. Et bien bah dans ce cas là, on va aller lui rajouter des jantes. Les plus bricoleurs d'entre vous savent de quoi il s'agit. Hop, on va se faire des petites jantes. Et on va dire que mes jantes, elles sont là, animées là. J'ai toujours la pelure d'oignon. On voit pas grand chose avec la pelure d'oignon, il faut que je la mette tech un peu plus opaque. Euh, mauvais choix, Franck. Mauvais choix de faire de la pelure d'oignon sur des éléments noirs. Mais on va y arriver quand même. Donc. On va recréer ici. On va recréer là. On la voit un petit peu. Hein on les voit là derrière. Et on va terminer ici. Et on va regarder comment ça tourne. Tac, 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 tac. Et on va faire pareil sur l'autre roue. Donc on va démarrer du bord. Donc une, deux. Une, deux. Une, deux. Et... Une, deux. Et là on va lire tout. Hum, vroom vroom vroom. Ça vous va ça Ouais, moi je trouve ça plutôt cool. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai récupéré mon véhicule, bah, mon véhicule, lui, il va, euh, il va rouler, il va se prendre les chaos de la route. S'il se prend les chaos de la route, je vais pouvoir lui dire peut-être que c'est soit je refabrique au fur et à mesure, soit je lui fais un petit tracé. Donc là je suis en train de faire un tracé de chaos de la route. C'est un peu violent et surtout c'est un peu bas. Tac. Donc on va lui faire des tracés de chaos de la route un peu plus haut. Tracé. Et je vais lui dire que les tracés de chaos de la route, en fait, ils se font sur beaucoup moins d'images. C'est un peu du 4x4, c'est de la route de, de province qui n'a pas été refaite depuis longtemps. Euh, et du coup, donc, quand je lis tout mon contenu, j'ai bien mon véhicule qui avance, j'ai bien mes roues qui fonctionnent avec, j'ai bien, hop, on va se mettre en grand, on va, euh, on va pas regarder les tracés, on lit tout, on va se mettre en plein écran sans les petites fenêtres autour, voilà, et on va lire tout. et voilà comment j'aurai mon petit véhicule qui se met en place. Du coup on a euh, complètement donc de la timeline, on a de l'animation keyframe, image par image, on a de la pelure d'oignon sur laquelle on peut travailler. Euh, Alex nous dit que c'est des routes de chez lui. Jamila est contente et ça lui a plu, merci. Euh, J'ai la lecture en boucle, et je peux lui demander en fait, au niveau du mouvement en question, d'augmenter ou de diminuer. Donc déjà le nombre de pelures dans la pelure d'oignon, si j'y voyais un peu plus clair, j'aurais dû y penser tout à l'heure. Le journal du document, donc en fait, c'est l'idée d'avoir un... de visualiser directement où je me trouve dans la timeline, ça je le mets pas en place, je ne l'utilise pas encore. Je, un jour je trouverai la, la bonne manière de le faire. Mais ce qui est cool en plus, c'est que là, pour l'instant, mes roues, elles sont fixes. Ma voiture est fixe. Eh bien, je peux reprendre les calques. Attention, hop, exercice de haut vol. Je peux les mettre dans un groupe. Je peux prendre ce groupe. <coughs> et je peux dire, mais ma voiture, soyons fous. Euh, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je ne peux pas encore vous le faire que je ne peux pas hiérarchiser mes animations, mais par contre, je peux tout à fait prendre les, les roues de la voiture et leur faire dessus, hop, désolé, j'ai voulu aller un, peu, un petit peu vite, et je peux tout à fait prendre, en fait, la trajectoire des roues, on va la faire partir ce coup-ci dans l'autre sens, on va se mettre sur les roues, tracer, on va les faire partir de l'extérieur, ça, c'est le moment où vous n'avez pas bien fixé les essieux. Euh, et je vais euh, prendre la même trajectoire sur le, la voiture au-dessus. Tracer. Tac. Et on va lui faire la même chose. Alors là, vous remarquerez que la première voiture, euh, quand je double les trajectoires, en fait, j'ai deux trajectoires sur le même objet de départ. Donc on va enlever le premier. Et on va lui demander de suspendre et de le lire tout ensemble. Et on va croiser les doigts pour que j'ai fait une trajectoire qui soit cohérente, ce qui n'est pas du tout le cas. <laughs> Donc je vais vérifier là-dedans euh, en termes d'images. Sur la voiture, j'ai 19 images. Et sur les roues, j'ai 67 images. Donc on va mettre autant d'images de l'une à l'autre. Voilà. On va lui demander de lire tout le monde en même temps. Et voilà comment je vais ajuster ma euh, la vitesse de déplacement de mon véhicule. Alors là, il galère un petit peu sur le début parce qu'il faut quand même organiser tout ça. Il y a un paquet de calques à lire. Je pense que j'ai pas fait exactement la bonne trajectoire. Je pense que elles sont les essieux se déplacent un petit peu sur cette bagnole. Mais ce qu'il y a de cool aussi là dedans. Hein, quand vous travaillez en trajectoire justement, c'est que derrière, bah, je peux reprendre mon calque de... Je peux fermer l'animation. Je peux reprendre le calque de la voiture. Et le calque de la voiture, bah, je peux toujours, comme tout à l'heure, verrouiller la transparence, parce que j'aimais bien la forme générale de cette voiture. Je peux reprendre mon pinceau de eggbrush, et je peux lui dire que on va reprendre le jaune. Hop, on va le mettre plutôt en mode produit. Chut. Voilà. Et puis on va faire un peu de design sur cette voiture. Hop, voilà. Donc je peux refaire du design dessus. Je peux compléter peut-être sur les différentes fenêtres. Elles sont un peu crades, mais c'est pas très grave. Je peux aller rechercher euh, des pinceaux un petit peu plus adaptés. Hop, concept, pencil. Et on peut redonner du, du détail sur notre, sur notre véhicule. Hop. Si j'en ai besoin, tout ce que j'ai fait là est toujours fonctionnel. Donc, ça, il n'y a pas de, de souci. Je ne suis pas designer chez Renault, hein, très clairement. Ça se, ça se voit, j'aurais bien aimé pour la Twingo, je sentais que j'avais un peu mes chances, mais finalement pas trop. Et, euh, et ce qui y a de cool là-dedans, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait ce, ces modifications, eh bien quand je relance mon truc d'animation, j'ai l'animation sur l'objet que j'ai fabriqué. Et si j'ai besoin de compléter parce que j'ai envie de donner un petit style sur l'image, je peux tout à fait, même sur un élément qui a une trace. Je peux rajouter une image ici. J'ai toujours mes images clés à côté et je peux refaire, hop, les, les éléments en plus. Voilà. J'aurais pu les faire dans le même sens. Ça aurait été hyper malin de ma part. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas hyper malin. Hop. Donc je vais lui demander de prendre celui-là et je vais lui demander de le mettre en produit. On, on va voir si ça marche. Hop, voilà. Et c'était un 300, c'est pour ça que la voiture était un peu plus solide. On va essayer de faire la même patate. Hein. Voilà, une patate comme ça, une patate pour les fenêtres. On va masquer la pelure d'oignon parce que j'en ai plus besoin là pour l'instant. Voilà. Et là, on va pouvoir lire notre animation. On a une animation avec le mouvement en trajectoire. On a la voiture qui change d'une image à l'autre. On a les roues qui se barrent un petit peu. Mais on a déjà un premier truc. Les premières Twingo, oui, c'est une grosse inspiration, très clairement. J'assume complètement l'inspiration Twingo. Quelles sont les possibilités de format d'exportation de mon animation Je vois que Luc, tu n'as pas suivi au début. Hop, donc je fais une pause euh, là-dedans. Je vais dans Exporter. Et je vais lui demander d'abord Publier, Exporter, Exporter le mouvement. Et là, j'exporte mon décor animé. Donc tout le film, au format soit MP4, soit GIF, soit séquence PNG. Et je peux lui demander du coup de générer les images. Et on va exporter. Donc là, il va générer toutes les images tranquillement parce que c'est le genre de choses qui fait là pour le coup vous vous rappelez hein, les premiers nuages avaient le droit à 67 images donc j'ai 67 images 2100 par 2100 à fabriquer je croise les doigts euh, pour que ça tienne jusqu'au bout euh, mais j'ai aussi là-dedans euh, un, une partie du village je crois que j'avais fait déplacer en 120 images c'est un peu présomptueux Peut-être que je vais planter au milieu et que je, je vais trop m'en vouloir. On va voir. Pause mouchoir. Et du coup, je vais être obligé de meubler. Donc, de m'assurer que vous ayez trouvé tout ce que vous vouliez. Euh, Alexandre me dit que c'est la Twingo de Peppa Pig. Eh ouais, Luc, fallait pas partir. C'est pour ça que je vous montre les trucs au fur et à mesure. Donc je vais le laisser tranquillement exporter en arrière-plan, euh, ce qui me laisse pile 10 minutes pour faire la fin de notre, euh, de notre euh, session. Et la fin de notre session, j'ai envie de vous la montrer autour d'un autre outil qu'on utilise beaucoup. Euh, qui s'appelle Adobe XD. Alors, si vous avez suivi les sessions qu'on a fait précédemment, on a fait euh, une session notamment avec Alexandre... Euh, avec Alexandre Soubrier, il y a quelques temps, sur beyonce.live.net slash live slash fr. C'était une session motion. Et Alexandre nous avait présenté, justement, dans la session, la manière dont lui utilisait After Effects pour faire toutes les animations autour de son site Internet. Et il nous avait présenté donc euh, son travail, mais il nous avait présenté donc tous ces petits pictos que vous pouvez d'ailleurs retrouver en autocollant, euh, en autocollant sur Gifi. Et tous ces petits pictos, en fait, il a fait une animation. Il les a intégrés à partir de Bodymovin et de euh et d'After Effects, et donc pour faire ce qu'on appelle un loti-file. Et le loti-file, en fait, l'idée, c'est d'avoir une animation vectorielle qu'on va pouvoir traduire et qu'on va pouvoir intégrer à pas mal d'endroits différents. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est du After Effects, c'est pas neuf, c'est pas dans les nouveautés d'After Effects spécifiquement, on regardera ça plutôt vendredi sur les, les nouveautés, mais derrière, bah, ça nous fait des petits fichiers compacts. Alors je crois qu'on voyait les fichiers à un moment... Hop, on a eu de l'animation, on a eu un petit peu tout ce détail là. Et euh, ces fichiers euh, compacts, vous récupérez en fait de quoi animer sur votre, euh, sur votre After Effects, vous récupérez un fichier de texte, et le fichier de texte, et eh bien vous allez pouvoir l'intégrer dans votre site web avec la, le plugin Loti. Et eh bien ce truc là, c'est merveilleux. C'est la, la grande nouveauté à l'intérieur de, de XD. Tiens d'ailleurs, toc, pendant que vous êtes là... Toc, 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 toc. Le 2 images par seconde c'était pas forcément ma meilleure idée, mais je vais le conserver derrière. Euh, J'ai un, un fichier XD. Ah oui, hop, exporter. Je vais remettre ça. Donc, vous avez vu que ça marche. Hein. Exporter, j'enregistre la vidéo. Et je suis hyper fier parce que ma vidéo, du coup, en 2100 par 2100, avec euh, 120 images au moins, elle a été, euh, elle a été fabriquée. Euh, et directement, elle est euh, utilisable et exploitable sur ma, sur ma machine. Donc, ça, c'est vraiment un truc euh, qui est un peu foufou. Donc là, à l'intérieur d'XD, dernier sujet. Pour terminer, tac, Kyle a prouvé le commentaire, Kyle a donné quelques astuces d'animation. Et Luc avait un... Maca nous dit ça a l'air cool, mais c'est réservé à ceux qui ont les moyens d'acheter du matos Apple. pas du tout. Si vous avez un Windows 10 Macma, vous avez moyen d'avoir Fresco dessus. Donc... Vous allez regarder si votre Windows 10 euh, est compatible, mais euh, en tout cas, ce n'est pas réservé aux gens qui font du Apple. Euh, une des grosses nouveautés d'animation à l'intérieur d'XD, c'est justement ça. C'est que vous allez pouvoir prendre, par exemple, je vais aller chercher de la vidéo MP4, je crois que j'en ai. Euh, j'en ai pour vous. J'ai des best-of en ce moment, on est en train de travailler sur des petits trucs pour vous qui vont arriver bientôt. Hop, motion plus design, les montages et les rendus euh, et si je prends par exemple, si vous avez aimé le motion plus design et que vous avez aimé euh, les lives avec euh, Léa Margerie et eh bien vous pouvez prendre la petite vidéo, on va prendre une autre tiens, je vais prendre Sarah Cialom. c'était cool ce qu'elle avait fait elle avait montré tout son, tout son petit portfolio et ses animations déjà, je peux glisser de la vidéo à l'intérieur d'XD ça, c'est cool. Ça veut dire que quand vous faites des interfaces animées pour le web, vous pouvez tout à fait poser des vidéos. Vous pouvez tout à fait choisir que la vidéo se lise en automatique. Vous avez une vidéo en arrière-plan, vous voulez le présenter, vous pourrez le faire. Ou qu'on appuie pour lire la vidéo. Là, je vais mettre pas de lecture. Et je vais tout simplement mettre un gros bouton play. Tac. Pour l'instant, ce n'est pas encore un gros bouton play, mais vous allez comprendre ce qui se passe tout de suite après. Voilà, et ce gros bouton play, je vais dans le prototype. Et le prototype, en fait, quand on va cliquer sur le bouton play, euh, le type d'animation, ce sera de la lecture. Où est-ce que je suis Ce sera de la. Lorsqu'on va appuyer, type défiler pour. Non, je vous dis des bêtises. Je vais pas pouvoir faire mon bouton, Hop. donc on va le faire directement sur la vidéo. Quand je vais cliquer là-dessus, ma vidéo, elle va pouvoir demander directement lecture vidéo, pardon, et lecture vidéo. Quand on clique dessus, lecture au bouton, euh, ce sera soit un bouton lecture et pause. Et du coup, quand je vais regarder mon site internet, pouf, je vais pouvoir faire un prototype avec. La mise en place de cette petite vidéo qui se présente directement sur votre euh, euh, sur votre euh, votre écran et votre prototype. L'idée étant bien sûr de comprendre, euh, de faire comprendre à vos clients la manière dont ça va fonctionner. Et le truc, c'est qu'on a rajouté un autre, euh, les équipes d'XD en tout cas ont rajouté un petit plugin qui s'appelle Loti Files. Alors quand vous voulez ce plugin, vous passez à l'intérieur d'XD. Euh, du coup, tiens, XD, est-ce que ça parle à certains, à tout le monde? Euh, Est-ce que ça vous parle Vous me répondez oui ou non. Euh, XD. Euh, je vais prendre un plugin. J'ai plein de plugins dans XD. Petit plus ici. Et vous allez chercher dans les plugins, les plugins recommandés. Et vous allez chercher l'outil. L-O-T-T-I-E. Et il va vous trouver tous les plugins qui correspondent. Alors il y a du Lottie pour After Effects avec Body Moving, avec Body Moving, pardon, pour pouvoir intégrer justement et fabriquer ces fameux fichiers Lottie files. Mais euh, derrière, vous allez pouvoir intégrer Lottie. À xd et vous allez voir que une fois que vous serez logué en fait dans votre xd vous aurez accès à des animations et vous pourrez poser plein de petits euh, plein de petits éléments par exemple dans les loti files parce que évidemment je suis passé dessus je cherche vidéo je vais rechercher et sur les résultats de vidéo il y a, euh, il y a par exemple 10 000 résultats et eh bien, du coup, je vais choisir la vidéo qui va bien, l'icône qui va bien. Hop, je veux ce petit élément-là. Et eh bien, je vais pouvoir prendre mon icône qui est là. Tac. Et je vais pouvoir la poser. Et je sais que cette icône vidéo, en fait, elle est en lecture automatique. Euh, je peux regarder justement le fonctionnement. Est-ce qu'elle est en boucle ou pas Et donc, maintenant, je vais faire lecture sur mon prototype. Et on va avoir la lecture du contenu et du petit bouton. OK Ça vous va, ça Derrière vous pouvez faire des petits placements d'animation tout, euh, tout aussi cool. Hein. Vous prenez un, un board. On va prendre un board web 1920. Tac. Euh, et vous avez accès à des animes qui sont vraiment classe. Si vous avez des motion designers qui travaillent avec vous et qui ont pensé à découvrir l'outil et à faire leurs exports. Pour le web vous pouvez carrément leur demander hop lecture automatique on teste un peu ça et ça c'est de la lecture automatique pour le web euh, vous l'avez dans votre prototype on avait moyen de faire déjà énormément de contenu animé à l'intérieur de dxd on pouvait faire les transitions des différents euh, des différents contenus euh, on répond non non oui oui Oh là là, j'ai 60% de noms sur XD, mince! Alors attendez, je vous aide un petit peu sur XD parce que c'est vrai que c'est dommage de ne pas vous le montrer vite fait. Il me reste 3 minutes 30. Euh, XD, vous passez par exemple sur. Euh, Qu'est-ce qu'on va regarder très vite d'XD? Bon, on va peut-être aller sur la page d'accueil d'Adobe. Hop, Creative Cloud je vais sur mes applications je vais sur la partie ui et ux on va regarder on va en savoir plus et euh, sur xd en fait l'idée ça va être de créer en fait rapidement des maquettes des prototypes pour des sites internet, pour des applications et vous allez choisir vous allez réfléchir aux transitions de ce que vous allez faire entre plusieurs éléments euh, vous allez choisir les liens vous allez préparer des, des boutons etc, ça intègre euh, les fichiers Photoshop et les fichiers Illustrator sans problème, on peut exporter vers After Effects lorsque vous avez besoin de faire un joli prototype qui bouge etc, etc, donc il y a vraiment pas mal de, pas mal de points euh, que vous allez pouvoir mettre en place sur XD et si je vais ici regardez les tutoriels vous avez des points sur la partie design donc le fait de créer de poser les éléments vous avez les points sur la partie prototype le fait de lier les plans de travail les uns aux autres des composants qui seront par exemple des boutons et qui vont euh, se déplacer au fur et à mesure et toute la partie collaboration parce que l'idée en fait c'est de se donner rapidement de la matière pour pouvoir travailler sur tout ça voilà donc euh, ça nous fait vraiment pas mal, de, pas mal de contenu à regarder dessus. Et ça va nous permettre eh bien de tranquillement euh, découvrir l'appli, voir un peu comment ça marche. N'hésitez pas à regarder les vidéos Pinsky qui est un des, euh, un des pionniers de, de, de la présentation XD. Et puisqu'on est toujours dans notre best of max, vous passez sur session. Et vous allez regarder sur session toutes les sessions. Vous allez demander ici... Par produit, vous allez chercher dans parmi les produits Adobe XD. Alors, je ne sais plus s'il est rangé à XD ou à Adobe XD. Il est rangé juste à XD. Voilà. Et vous allez voir, il doit y avoir une session de, de Word, J'espère. J'espère qu'on a une session de Word, Pinsky. On va chercher ici. Est-ce que j'en ai mise dans mes favoris Hop, non. Hop, Pinsky. Pinsky. Oui, qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans? Et donc, vous allez pouvoir retrouver cette session-là. Et dans cette session-là, en fait, Howard a pris le temps de vous détailler les différents points à l'intérieur d'XD, notamment bah, le placement de vidéos, le placement de, de contenu, de dégradés ou autres, qui vont vous faire gagner pas mal de temps. Donc, tout ça, c'est euh, sur les sessions Adobe Max que vous pourrez, euh, que vous pourrez assez facilement euh, retrouver. Ça vous va, ça? Oui. Il me reste 40 secondes avant que ça coupe du côté Beyoncé. Et euh, ben, pour terminer sur la session donc, animation, euh, je vous redonne donc le, le petit agenda de la semaine. Donc agenda de la semaine avec notamment... Euh, là on était sur de l'anime anime et web on a terminé donc un petit peu à l'intérieur d'XD avec les Loti Files, on a fait beaucoup d'animation dans Animate, on a fait de l'animation dans Fresco, surtout sur iPad ou sur Windows 10 notamment, enfin à partir de 10 en tout cas. Euh... Vous aurez cet après-midi une session sur la 3D avec Vincent Go. Euh, le visuel derrière n'a pas du tout été fait avec Substance. Hein. Ça a été fait avec d'autres éléments, vous retrouverez ça. Euh, il y aura du stager, du painter, du designer et du sampler. Ce sera euh, Pauline qui retrouvera Vincent, c'est dans 30 minutes. Et enfin, pour terminer, euh, demain, photographie. Et euh, demain, après demain, ce sera de la vidéo avec Nicolas Burnage. Donc euh, j'espère que tout cela vous plaira. On se retrouve donc tous les jours de la semaine, à 12h avec moi, à 14h avec Pauline et ses invités, jean loup Kyle, Vincent, Allison et Nicolas. Merci à tous de nous suivre depuis le début de la semaine. Merci à tous ceux qui étaient avec nous du côté Beyoncé Je sais que ça a coupé. Je sais que ceux qui n'ont pas l'habitude vont être un petit peu tristes, mais c'est pas grave. Euh, vous pouvez vous pouvez nous retrouver du côté, euh, du côté YouTube. Et puis, euh, bah, d'ici là, euh, travaillez bien, profitez bien des applications. Et à bientôt. Bye bye.